meilleur pote, Lionel. Ouais, mais attends, moi je vais... Sous merde. Voilà, exactement, c'est... Ah, Ça fait 12 ans qu'on est mariés. On se voit pas. Et tu me le prends et tu me comprends quoi? Tu comprends quoi là? Arrête, putain de pute là. Non mais arrêtez hein, ça suffit maintenant. Vraiment vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Nanou. Heureusement que je vous ai jamais vu, espèce de pute. J'ai besoin de te donner ceci pour dans 8 jours. Non. Non. Assez. C'est des papiers, ça. C'est des papiers. Ça, des papiers. Ça, ce sont des papiers. Et c'est pas pour vous, c'est pour elle. Et tu vas aller à la soirée avec ça. Mais t'es vraiment dégueulasse, toi. Mais t'es dégueulasse, toi. Ouais. Est amoureuse de toi. Non, merde, c'est toute c'est ta faute. C'est ma faute. C'est ton problème. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est ton problème. Fais chier, celui-là. Calme-toi. Tu fais chier. Pour qui tu te prends, toi, ici? Calme-toi, c'est pas parce que tu vas lui taper tu restes dessus calme ça maintenant. Va changer les choses. Il y a 10 ans de mariage, là. Mais c'est de ta faute, mon vieux. Mais j'ai pris ma décision, en toute façon. Moi, je suis ta sœur. Oui, okay. Tout à fait. Stéphane m'a confié qu'il irait probablement voir une autre femme. Voilà. Et... Mais tu mets ça en train, dis ça pas. Lâche-moi, dis arrête. Je m'en encore une fois aussi. Tu n'es qu'un saligant. Tu vas confier à ma sœur que tu vas avoir une autre femme. Annie, c'est toi, tu couches avec mon mari. Je veux savoir. Bon, Stéphane est très triste pour l'instant. Et c'est vrai, hein, que notre relation amicale s'est améliorée et que nous avons, pour ainsi dire, une relation de grande complicité. Et complicité voilà. Jusqu'où? Eh bien, je couche avec ton mari. Ne me touche plus. Assieds-toi. Ne me touche pas. Annie. Écoute, Annie, regarde. Ma propre sœur couche avec mon mari. Comment tu peux me faire un truc pareil? Et toi, ma sœur? Mais c'est un service que je te rends. Un service? Il aurait pu aller voir ailleurs. Elle a été poussée, quoi. Écoutez, moi aussi, je suis une victime. Elle a été plus direct poussée, hein. Je suis une victime. Mais arrête de faire le faux derge. C'était ton idée, le détournement. Mon idée. T'es qu'un enfoiré. Putain, mec. Deux larves. Thibaut, il allait pas jouer au foot l'après-midi. On Thibaut, se il était. Qu'est-ce que Thibaut fait? Espèce de salope, connard, t'es pas gêné dans le bim, imbécile. Et t'étais où, connard? Il était chez Julie, Thibaut. Il était chez Julie, Thibaut. Et il tirait son coup avec Julie. Eh ouais. Salope. Ah ouais. Ça t'apprend grâce à. Balance. Salope. N'empêche que pendant 6 mois, avant le mois qu'il a passé avec Ingrid, il était avec moi. Ça fait 7 mois qu'il joue avec tes pieds, ça fait 7 mois qu'il te prend pour une conne.
ma place, c'est arrivé une fois. Tu peux pas me mettre à ta place, espèce de salaud. Mais non, ce n'est pas un salaud. Espèce de salaud. Quand il est arrivé à bosser, c'est moi qui l'ai aidé à s'installer. Et maintenant, c'est comme ça qu'il meurt. Putain, les salauds. Putain, tu me fais chier, Sylvain. Oh, lâchez-moi, merde. Gérard, s'il te plaît, Gérard. Ah, Gégé, on est venu pour s'expliquer. On aurait pu. J'ai pas d'explication à donner, moi, merde. Bon. T'en aurais pu rester. J'ai des preuves. T'as des preuves? Oui, j'ai des preuves. De toute façon, je te crois pas, t'es qu'une menteuse. T'es jalouse et t'es une menteuse. T'es une menteuse, une menteuse, une menteuse, une menteuse! Non, je suis pas une menteuse! Non, je suis pas une menteuse! Comme tu le crois! Et c'est comme ça que tu suis rentrée! T'es jalouse, t'es jalouse, t'es jalouse! Non, je suis pas jalouse! Mais j'en ai marre qu'il te fasse du mal et qu'il se fout de toi! Mais il me fait pas du mal, on est heureux, on est amoureux, on va voir un bébé, on est heureux! Non, il me trompe pas, c'est pas vrai! Je l'aurais senti, il y a quand même un odeur, il couche avec une femme, il couche avec une femme. Ah oui? On le sent quand ton mari te trompe. Ton déménageur. Il rentre tard, mais bon, il a changé d'horaire, écoute, c'est pas de sa faute, c'est son entreprise, c'est sa société. Une société d'entreprise fait des déménagements la nuit maintenant. Extraordinaire! Qu'on a toujours été super intimes ensemble. Le massage. Super complice. Le massage. Quoi le massage? Bah vas-y, continue. T'as la mémoire courte à toi, ouais. T'appelles pas le bon petit massage qu'on a passé la relation sexuelle ensemble? Et t'es comme un pote pour moi, tu vas faire le malin, c'est cool. Hey, moi je te considère comme un frère, tu vois. Ah, toi, tu fais ça des frères. Hey, Jean-Pierre, ta mère m'a chauffé, ok.